Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Monica Sabolo, bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Vous avez écrit 6 romans, dont Tout cela n'a rien à voir avec moi en 2013. Vous avez d'ailleurs reçu le prix de Flore pour ce titre-là. Vous avez ensuite écrit Crans Montana en 2016, Summer en 2017 et Eden, dont nous allons parler ce soir, qui vient de sortir là pour cette rentrée littéraire. Eden, c'est un roman mystérieux dans lequel on plonge tout de suite. C'est l'histoire de Nita, une jeune fille qui vit dans une petite ville, coincée entre une autoroute et une forêt, dans un pays, un continent qui n'est pas nommé, mais qu'on suppose être l'Amérique du Nord, probablement le Canada. Nita, elle s'ennuie beaucoup dans cette petite ville, dans la réserve où elle vit. Elle rêve de ville, jusqu'au jour où l'arrivée de nouveaux voisins va piquer sa curiosité. Lucie, une jeune fille du même âge que Nita et son père vont s'installer à côté de chez elle, et de sa mère. Nita, elle est d'origine amérindienne et Lucie, elle est aussi blonde et éthérée que Nita est brune un peu sanguine. Lucie est un personnage qui exerce une fascination sur les autres, notamment sur les garçons du lycée où les jeunes filles vont. Pourtant, Lucie ne semble pas du tout s'en rendre compte. Elle passe plutôt pour quelqu'un d'étrange auprès des autres. Elle grandit à l'écart. Et ce qui va se passer, c'est que, alors que Nita et Lucie semblent se rapprocher, semblent devenir presque amies, Lucie va disparaître. Elle va disparaître dans la forêt qui borde la ville. Dans cette forêt, d'autres gens ont disparu, d'autres jeunes filles aussi ont disparu. Lucie va être la seule à réapparaître plusieurs jours après sa disparition, complètement mutique, agressée, battue, à garde. Et c'est le point de départ du roman d'Eden. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce livre ? Comment Eden vous est venu à l'esprit ? Oui, bonsoir. Alors, l'idée de départ était d'écrire sur la forêt. Ça, c'était vraiment l'envie était vraiment d'une forêt dense, mystérieuse. Et c'était la seule idée que j'avais. Et en faisant des recherches, comme je fais toujours au départ d'un roman, je tape le mot forêt ou d'autres noms qui vont avec. Et je regarde des images, des articles, des poèmes, des œuvres, n'importe quoi. C'est vraiment une sorte de gymnastique de stimulation. Et je suis tombée sur le cas des femmes et des jeunes filles autochtones assassinées ou disparues au Canada. Et j'ai été bouleversée par ce drame national. Et je n'en avais jamais entendu parler, même s'il y a depuis quelques années une enquête nationale sur justement ces femmes et ces jeunes filles qui disparaissent ou sont assassinées dans une sorte d'indifférence, de quasi-indifférence, toute autochtone. Et il y a une zone en Colombie-Britannique où il y a de grandes forêts sublimes, hein, qui est vraiment un endroit qui ressemble aux origines du monde, des forêts magnifiques, des ciels à perte de vue, des lacs turquoises. Et cette rencontre entre cette violence qui s'abat sur les femmes là-bas et cette beauté, cette immensité archaïque, ça m'a vraiment beaucoup remué. Et du coup, j'ai lu énormément de choses, mais je suis tombée donc sur ce qui vient d'avoir été d'ailleurs requalifié par l'administration qui mène cette enquête au Canada de génocide. Et c'était immense, c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas et il m'a semblé compliqué d'aborder cette douleur de façon trop frontale parce que j'avais la sensation qu'il fallait que je m'approche sur la pointe des pieds, que ce n'était pas mon histoire, que je ne pouvais pas m'en saisir d'une façon directe. Du coup, j'ai réfléchi beaucoup parce que il me semble que dans l'écriture, la liberté absolue est nécessaire.
Et c'était comme deux calques qui ne se recouvraient pas. C'est-à-dire il y avait d'un côté le respect et la distance que je devais garder vis-à-vis de ce drame, et de l'autre, j'avais ce besoin d'absolue liberté, de déploiement. C'est pour cette raison que j'ai inventé une forêt qui ressemble au réel, qui évoque effectivement l'Amérique du Nord, mais qui est ma forêt, mon monde et tout ce qui consiste en les croyances, en la spiritualité qui se dégage du livre est vraiment une création. C'est-à-dire que je me suis éloignée, j'avais lu suffisamment de choses pour pouvoir me promener le plus naturellement possible et avoir la sensation de tomber juste dans les problématiques que je soulevais, que ce soit celle de la domination sur la nature, mais surtout mais aussi sur les minorités, sur les jeunes filles, sur tout ça. De l'avoir vraiment travaillé, intégré, m'a permis ensuite de le laisser de côté et d'aborder les choses d'une façon plus poétique et totalement libre. La thématique de la disparition, elle est récurrente dans Eden. Donc il y a évidemment la disparition de Lucie qui est quasiment au cœur du livre. Il y a aussi la disparition d'un personnage que nous, lecteurs, on ne connaîtra jamais, qui est le père de Nita, qu'elle croit s'être évaporée comme ça dans la forêt. La disparition, c'est une thématique qu'on avait retrouvée avant chez vous, notamment dans Summer. Est-ce que vous avez une sorte d'obsession comme ça autour de, enfin, le point narratif qu'est la disparition dans vos romans? Qu'est-ce que ça vous permet en fait d'évoquer? Oui, c'est vrai que la disparition, les fantômes sont des thèmes qui traversent tout mon travail. Mais je n'ai pas vraiment de réponse. C'est un peu mystérieux. Même si il me semble que la disparition, l'être perdu, la perte, est un sujet éminemment romanesque. Et par ailleurs, il me semble que mes personnages ont du mal à être incarnés, à être dans l'instant présent. Donc ils sont soit dans une nostalgie et un regret d'un monde ou d'amour ou de perdu, soit dans une projection, c'est-à-dire une fantasmagorie de l'autre, la fascination pour un groupe, la fascination pour un garçon, ce genre de choses, qui est également finalement assez spectral, hein, c'est-à-dire que c'est dans le regard et dans l'imaginaire que sont vécues des grandes émotions, et c'est la dichotomie avec quelquefois le réel qui m'intéresse également. Comment on peut passer à côté des choses en regrettant un amour perdu et être incapable d'aller de l'avant, ou au contraire en projetant sur l'autre son salut ou une fascination ou un désir très puissant et qui peut mener également à sa perte. Il y a la place de la parole et du silence et également, je pense, au cœur de Eden. Et notamment, je voulais qu'on parle d'un point très précis. Il est évident pour le lecteur que Lucie est victime d'un viol à son retour de la forêt. Et en fait, aucun des personnages du livre, aucun des habitants de la ville ne prononce jamais ce mot. Pourquoi vous avez... Il y a plusieurs raisons. Le silence est également un thème qui traverse tous mes livres, et je crois que le silence, c'est une sorte de mort lente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un drame, quelque chose survient et qu'il n'est pas nommé, il me semble extrêmement compliqué, voire impossible, de le dépasser. Et c'est vraiment une thématique qui m'intéresse énormément, le fait de ne pas dire ou de faire semblant que cela n'est pas arrivé, de ne pas avoir les bons mots pour les choses qui adviennent. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, rien n'est dit sur rien. C'est-à-dire que Lucie, effectivement, qui réapparaît de la forêt, hors de la forêt, nue, blessée et mutique, a été violée. Mais les mots ne sont jamais posés sur ce genre de sur ces événements-là, dans ce lieu-là, parce que il y a d'autres jeunes filles et aussi des jeunes garçons qui ont disparu, et on ne pose pas non plus de mots sur ces disparitions. C'est cette espèce d'inconsistance et de violence, de
du drame qui a lieu sans être embrassé, sans être porté. Ensuite, il y avait également ma propre problématique qui m'a déstabilisée en écrivant. C'est-à-dire que ce sont des sujets, la violence sexuelle et le silence, qui sont, à mon avis, des thèmes sur lesquels je réfléchis sans cesse, puisqu'ils traversent tous mes écrits. Pourtant, quand j'ai écrit à un instant, une fois, le mot viol dans c'est Nita qui dit ce mot que personne ne prononce jamais, j'ai eu moi-même un sursaut, comme si je ne pouvais pas m'autoriser ce mot, comme s'il faisait immédiatement surgir la notion d'un excès, comme si ce n'était pas forcément si grave que cela, c'est comme si c'était une dramatisation des choses ou se positionner comme une victime. Et il me semble que c'est une problématique éminemment féminine que de ne pas pouvoir poser ces mots sans avoir immédiatement une sensation de honte, d'excès, de culpabilité, parce que ce mot, c'est presque également porter la faute et en devenir responsable et en être sali également. Et je me suis aperçue avec stupéfaction et horreur que j'en étais moi-même encore là, avec cette difficulté-là. Mais justement, sur cette question de la culpabilité, vous avez donc choisi de nommer le livre Éden. Donc j'imagine que ça fait référence à beaucoup de choses. Mais effectivement, on pense tout de suite à l'aspect biblique. Et effectivement, ce paradis perdu qu'est l'Éden, ça suggère effectivement la notion de culpabilité et de faute. Donc là, dans Éden, quelle est cette culpabilité et quelle est cette faute ? Enfin, elle est multiple, je pense. Oui, absolument. C'est vrai que c'était la notion de faute qui me parlait le plus pour ce titre-là. Et l'innocence perdue, c'est également ce passage de tout ce groupe d'adolescents, garçons et filles, parce qu'il y a Nita, il y a Lucie, mais il y a la meilleure amie de Nita qui est Kishi également. Il y a trois garçons qui ont également 15 ou 16 ans, qui ont l'air assez brutaux, mais qui sont eux-mêmes traversés d'émotions contraires et beaucoup plus ambivalentes qu'elles n'en ont l'air. Et eux sont finalement vivent chacun à leur façon une perte d'innocence. Et c'est également un roman d'apprentissage qui est la traversée de cette forêt vers l'âge adulte. Donc cette perte de l'innocence là, c'est une perte des illusions également, donc qui est propre à ce groupe là à cet âge. Maintenant, la faute, c'est la faute de qui a trait justement au thème de la domination. C'est la faute qui consiste à couper cette forêt déjà, puisqu'il y a une société d'exploitation forestière qui coupe les arbres pour permettre le passage d'un oléoduc. Et on entend toute la journée les tronçonneuses. C'est vraiment un bruit de fond qui, dans l'air brûlant des après-midi, on entend cette tronçonneuse. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la destruction, de l'avidité et de la désolation qui vient de cette domination et de cette vision verticale du monde, qui considère que les ressources naturelles appartiennent à l'homme et ne sont que des ressources. Il y a ensuite la domination sur les jeunes filles, hein, puisqu'elles sont clairement menacées, puisqu'elles vivent dangereusement, puisqu'elles disparaissent ou subissent des agressions sexuelles. Il y a la domination vis-à-vis des minorités, puisque ce groupe est autochtone et que les blancs sont ceux qui possèdent et qui ont tout ce qui... Nita dit à un moment, ils ont tout ce qui représente la vie. Eux n'ont a priori rien. Et ensuite, il y a également, à mon avis, la domination absolue de l'adulte sur l'adolescent. Et les adolescents, dans ce livre, mais comme tous les adolescents, ont la tentation de la transgression, du danger, les choses sont ambivalentes, des appels pour la vie, mais c'est également pour la mort, le désir d'aller se frotter à quelque chose qui pourrait peut-être mal tourner, des choses qui me semblent aller avec cet âge de la découverte, justement, du dépassement. Mais à partir du moment où les adultes ne sont
plus là pour protéger, pour accompagner, pour regarder ce passage, pour contenir, et qu'ils deviennent, non seulement ils sont défaillants, mais ils sont peut-être une menace, on entre dans un monde d'une violence où tout est possible, hein, et où la... Où il y a quelque chose de l'ordre de la mort qui plane en permanence. Mais c'est ça, d'ailleurs, dans le livre, on pourrait penser au premier abord que c'est un livre qui va effectivement parler d'abord de la domination masculine, puisque ce sont la plupart du temps des jeunes filles qui sont victimes, donc on suppose très rapidement, d'une violence masculine. Et en fait, vous opposez peut-être plus le monde des adultes et celui des adolescents que le monde entre guillemets filles. Absolument, et le monde garçon. Absolument. Mais je voulais également pas rentrer dans cette cette simplicité du genre qui est également violente, je trouve, parce que justement le roman, c'est le lieu du trouble, c'est le lieu de l'ambivalence. On peut rentrer dans des choses qui sont plus subtiles. Et d'ailleurs, les adultes, hommes qui semblent menaçants, sont peut-être surtout démunis et perdus. Les jeunes hommes sont peut-être incapables d'avoir des mots dont ils s'expriment par le corps. Et les jeunes filles, finalement, peuvent faire preuve d'une rage et d'une violence coupable. Donc, ce qui, effectivement, j'avais envie de sauver mes adolescents et montrer que, justement, cette découverte de l'existence de l'autre, du désir, du groupe, de l'altérité, j'aimais l'idée qu'ils se mettent en marche quelque chose ensemble, qu'ils portent ensemble, qu'ils arrivent à se comprendre et que finalement, il ne s'agit pas de garçons violents et de filles fragiles du tout. C'est beaucoup plus complexe. C'est vraiment, il me semble beaucoup plus intéressant de partir de l'individu, de l'identité mystérieuse et absolument non objectivable de chaque être. Mais d'ailleurs... Il y a je trouve qu'il y a plein de choses en opposition comme ça dans votre roman où on pourrait croire que l'opposition est claire et en fait elle se nuance au fur et à mesure du roman. Et c'est notamment le cas, je pense, avec vos deux personnages principaux, si je puis dire, que sont Nita et Lucie, où d'un côté Lucie, effectivement, elle apparaît comme la victime, comme fragile, et Nita qui va en fait, qui a un côté vengeur, quasi combattante en fait. Mm-hmm. Elles sont donc construites. Est-ce que vous les avez construites en opposition, ces deux personnages ? Je n'y ai pas pensé en écrivant. J'avais plus la sensation que Nita était un personnage qui se mettait en marche, qui s'appropriait sa propre existence. Et que Lucie était... j'aimais le côté mystérieux. J'aimais qu'on puisse penser de Lucie comme... qu'on ne savait pas si elle avait un pouvoir, un accès à un monde invisible, comme disent les autres de sa classe, qu'elle était complètement demeurée. J'aime cette étrangeté-là parce que finalement, tous mes héros sont des anti-héros. C'est vraiment l'attrait de la marge pour moi. C'est de montrer la puissance qu'il y a chez l'outsider. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fragilité. Pour de multiples raisons, Nita parce qu'elle est autochtone et dans une réserve, Lucie parce que elle est aussi un peu l'image de la fille qui a bien cherché ce qui lui arrive, puisqu'elle s'habille avec des vêtements très moulants, qu'elle va dans la forêt, elle traîne avec les garçons, donc elle incarne parfaitement cette image de cette victime qui devient coupable dans les yeux de ceux qui la regardent. Et Kishi, également, pour moi, est un personnage très important, qui est la meilleure amie de Nita, qui est vraiment, pour moi, la plus perdue et démunie à l'origine, puisqu'elle a 15 ans, elle vit dans des joggings roses, enfermée dans sa chambre où il y a des posters de loups. Elle a également perdu son père, qui a brûlé dans une voiture, et elle s'est recroquevillée sur elle-même. Elle est très enfantine, et elle semble... Elle ne semble pas du tout faite pour affronter ce monde. Et finalement, elle va développer une sorte de puissance en, en,
en ramassant une petite chouette qu'elle va élever, et elles vont grandir ensemble et devenir des sortes de grandes prêtresses de la nuit, dans le sens que Kishi va développer une sagesse et une justesse de vue, de comprendre des choses qui se passent alors que personne ne semble saisir ce qu'il y a de dire. Elle devient une réelle justicière, elle permet même d'éviter le geste de trop, il me semble. Et quant à Lucie, qui, elle, est, donc, ressort de cette forêt, nue, violée et mutique, et donc et, finalement n'a pas réellement trouvé sa place ni près des Blancs, ni près des Autochtones, ni près des filles, ni près des garçons, j'avais aussi envie qu'elle ait cette traversée-là, qu'une puissance autre, hein, qui va se révéler à la fin, puisse également s'emparer d'elle. Cela m'aurait semblé trop dur, hein, et trop désespérant que cette traversée n'aboutisse en rien. Vous l'avez dit vous-même, Eden, c'est un roman d'apprentissage, parce qu'on va suivre effectivement ces différentes adolescentes et les adolescents garçons qui vont graviter autour. Les adolescents sont au cœur de quasi tous vos ouvrages, ouais, que ce soit dans Crans Montana, que ce soit dans Summer aussi, quand même, d'une certaine manière. Ah oui, oui, oui. Et qu'est-ce que ça représente, en fait, ce moment de la vie, l'adolescence, et dans votre écriture, et après, à titre personnel, qu'est-ce que ça a cristallisé pour vous? Alors, dans l'écriture, je dirais très simplement que, étrangement, comme mes trois derniers romans, les personnages parlent à la première personne, ou au nous. Dans Grand Montana, il y a un groupe de garçons qui disent nous étions comme ceci. Donc, il y a vraiment une incarnation au moment de l'écriture. Et je ne sais pas pour quelle raison, enfin, peut-être un peu, mais ça, on en parle après. Mais j'ai la sensation que quand je me mets dans la peau d'un adolescent, que ce soit une fille ou un garçon, justement, une blanche ou une autochtone, quelque chose va tomber juste. En termes d'émotion, je ne me pose aucune question. Et par ailleurs, c'est un âge qui me semble absolument fascinant, justement pour cette espèce de soif multiple, donc de soif pour l'amour, de soif pour le danger, donc de vie et de mort, mais également justement pour peut-être le monde invisible, pour la spiritualité, et avec un appétit pour la justice, une nécessité, une rage également. Donc une grande puissance d'une certaine façon, et à la fois une impuissance absolue, puisque l'adolescent n'a pas de pouvoir, et que les adultes et la société, la loi, ils sont contraints de multiples façons. Donc ces empêchements, avec cette espèce de désir de transcendance multiple, je trouve que c'est extrêmement stimulant en termes de création et d'écriture. Et vous en avez parlé également, la notion de groupe, elle est très importante à l'adolescence. Et dans ce livre-là, elle est incarnée par un gang de filles, qui est un peu à l'écart, qui peut aussi incarner une certaine sauvagerie en réponse à la sauvagerie où ont été victimes, mm-hmm, ou du moins ont été témoins. Et est-ce qu'on peut parler un peu de ces personnages-là, de ce gang de filles, donc, qui officie comme serveuse dans un bar local? Je parlais tout à l'heure du regard et de la fascination. Donc c'est Nita, qui a 15 ans, est fascinée par un groupe de serveuses d'un bar qui s'appelle le Hollywood. Dans ce bar viennent exclusivement des hommes. La plupart sont employés par l'exploitation forestière. Donc, ce sont cinq filles qui sont très, très proches, qui sont autochtones, qui sont très jeunes. C'est-à-dire que même si Nita les regarde comme des sortes de divinités extrêmement puissantes, elles ont quelques années de plus qu'elles, mais peut-être même pas. C'est pas clair. Mais ces filles-là, elles ont une sorte de force apparente, puisqu'elles se baladent dans ce bar, donc entourées d'hommes qui pourrait sembler menaçant, avec un air de sans peur, sans même y prêter attention, ce qui, je pense, pour Nita est quelque chose d'extrêmement troublant, puisque elle-même n'est pas du tout dans cet état-là. C'est-à-dire que elle, les hommes,
l'attirent, lui font peur, mais elle n'est pas, elle est au contraire dans un mouvement beaucoup plus. Elle existe beaucoup plus dans le regard de l'autre, même si elle reproche cela à sa mère en disant tout ce qui t'intéresse, c'est d'exister dans le regard des hommes. Finalement, Nita n'est pas si éloignée de cette position. Or, ces filles-là, elles ont l'air d'avoir besoin de personne. Elles sont ensemble, elles sont puissantes, elles ont quelque chose d'un peu sauvage. Et elles semblent appartenir à un monde auquel Nita ne pourra, selon elle, dans la vision qu'elle a avec cette étrangeté au monde qu'on a à cet âge-là, la sensation qu'elle, elle n'a pas la clé. Elle n'entrera jamais là-bas. Et elle projette des choses qui peuvent être également trompeuses. Il y a un autre aspect dont on n'a pas encore beaucoup parlé, effectivement, mais vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, c'est le monde invisible. Le monde invisible qui est incarné par la forêt, qui apparaît en fait dès la première page du livre, où une habitante du village dit qu'elle a vu les esprits de la forêt. Et les esprits de la forêt vont symboliser énormément de choses dans ce livre-là. Quelle est la part du monde invisible dans ce livre-là et dans votre vie? Disons que j'avais très envie de... À l'origine, je voulais écrire un roman gothique. Donc, le fantastique, le roman de genre, déjà, c'est très rassurant pour un auteur d'avoir un cadre. Et de jouer avec ces codes-là, c'est toujours assez fascinant. Et le fantastique m'attire depuis longtemps. Après, j'aime également l'idée d'un fantastique qui ne l'est peut-être pas. Dans le sens que on l'explique comme on le souhaite. Oui, peut-être, il y a quelque chose de l'ordre des forces invisibles, mais peut-être qu'on peut également l'expliquer d'une façon beaucoup plus concrète. Je trouve que dans des mondes ou des époques violentes, là, il y a une réelle nécessité du monde invisible. Il y a une nécessité d'un ailleurs, il y a une nécessité de sens. Et lorsque quelque chose nous échappe, lorsque l'on peut mettre ses rêves, ses espoirs, ses chagrins, ses prières dans un monde qui s'élève, quelle que soit sa spiritualité, il me semble que cela donne une puissance qui est en miroir à la désolation d'un monde avide, qui serait très, très proche du sol sans le mystère. Il me semble que c'est une extrême arrogance de penser que l'on maîtrise tout, que notre regard est le bon. L'invisible, c'est peut-être également une protection, tout simplement contre cette violence, contre cette brutalité, contre le manque de sens. Donc, je dirais que moi, l'invisible dans ma vie, c'est... L'invisible, c'est presque la littérature pour moi. C'est-à-dire que quand j'écris, j'essaye de tenir une structure très serrée pour emmener les personnages dans une vraie trajectoire, avec une vraie intrigue. Mais il y a vraiment ce moment que je préfère dans l'écriture, c'est celui où je suis pratiquement dans un état second et je laisse monter quelque chose de l'ordre de la poésie, d'images étranges. Et là, j'ai l'impression d'entrer dans une autre dimension. Et c'est vraiment du même ordre que cette forêt. J'ai écrit un texte l'autre jour sur le manque de forêt, mais le manque de forêt également imaginaire et poétique. Justement, un lieu sombre, un lieu mystérieux, mais un lieu sombre et de lumière, un lieu de transformation, un lieu où se déplient les notions de conscience et de temps, un lieu qui serait à la fois trivial et sacré. Il me semble que la frontière avec un ailleurs nous permet d'avoir... Oui, une bien plus grande consistance soi-même. Quand on n'a plus d'ailleurs, on n'a pas de projection, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'élévation. Mais justement, la forêt, là, dans Éden, elle est à la fois le théâtre des agressions, des disparitions,
mais en fait, elle est aussi celle qui produit la réponse, voire la force vengeresse de ces agressions, puisque les esprits de cette forêt répondent à cette violence-là. Oui, la forêt, elle est menaçante, c'est un lieu d'ombre, de danger, mais c'est également un lieu de transformation, un lieu de liberté. C'est-à-dire que les filles du bar, les filles du Hollywood, elles vont dans la forêt faire des sortes de petites cérémonies entre elles. En gros, elles ne font pas grand-chose de spécial. Elles se mettent autour d'un feu, elles boivent des bières, elles rigolent, elles sont entre elles. Mais c'est un endroit hors institution. On est loin de la cité, on est loin de toute norme. Donc c'est le lieu de la liberté et c'est le lieu de la réinvention. Et j'aime souvent l'ambivalence des choses. C'était la même chose dans Summer, où le lac était à la fois source de vie, de beauté, et en même temps trouble, avec de la boue, avec des créatures gluantes à l'intérieur. C'est vraiment les deux aspects du monde que l'on... l'ombre et la lumière qui se répondent en permanence. Et je trouve que, avec avec les espaces naturels, j'aime jouer avec les mythes, avec même nos visions archaïques et presque de l'ordre du conte, de la fable, des lieux sauvages. Justement, en nommant le livre Éden et en ne lui donnant pas vraiment un espace précis de géographie ni de temps, vous en faites un conte un peu moderne. Enfin, c'était, j'imagine, une volonté. J'aime le conte et à la fois, cela m'effraie un peu parce que il me semble que je voulais quelque chose qui soit extrêmement réel. Donc, quand j'entends conte ou fable, je me dis que j'ai raté mon coup parce qu'on est à côté. Il me semble que ce mensonge-là ressemble pas mal au réel et j'aimerais qu'il donne cette sensation-là au lecteur. Maintenant, tout ce qui est des forces archaïques, des histoires qu'on chuchote depuis la nuit des temps, ce mélange-là avec quelque chose de l'ordre de la pop culture, finalement, les vêtements, les petits shorts en jean, le lycée, le bus scolaire, les fêtes. Ces mélanges-là m'intéressent beaucoup. Je trouve qu'on frotte deux univers très différents qui peuvent paraître incompatibles et ça donne, je trouve, enfin moi, ça me stimule dans ma création. Et justement, vous parlez donc des bus scolaires, du lycée, il y a beaucoup d'éléments qui font penser à la littérature, voire plus grandement à la culture américaine. Je sais que c'est un de vos inspirations. Dans Crans Montana, même si ça se passait pas du tout aux États-Unis, enfin, il y avait aussi ce sentiment-là. Quelles sont vos inspirations littéraires vraiment en littérature américaine? J'en ai trois essentiellement. J'ai grande admiration pour Joyce Carol Oates. Justement, je parlais de cet état second dans lequel on écrit ou de ces histoires qu'on chuchote depuis la nuit des temps. Je trouve qu'elle a dans son écriture, bon, même si elle change énormément d'un livre à l'autre, mais cette notion de cœur antique qui parle ou de mélopée, il y a quelque chose dans le rythme de la phrase qui a créé un déclic chez moi. C'est impossible. Je me suis dit, il y a quelque chose qui a vibré. Je me suis dit, on peut raconter des histoires de cette façon-là, avec une extrême modernité qui croise justement cette façon quasiment éternelle de raconter des histoires. Ensuite, pour la poésie, pour l'étrange, la beauté de la langue, je suis très admiratrice de Laura Kaczynski, que j'adore, que je trouve d'une grande... la puissance de ses images et l'étrangeté dans le quotidien, justement, et l'adolescence également, sont des thèmes qui sont très importants chez elle et qui m'inspirent beaucoup. Et ensuite, j'ai un auteur qui a écrit beaucoup moins, mais qui a également créé des sortes de révélations. C'est Jeffrey Eugenides, qui a écrit Virgin Suicide, dont a été tiré le film de Sofia Coppola, ou Middlesex également, qui a une beauté dans le détail et dans cette façon d'aborder la pop culture américaine
que je trouve extrêmement, extrêmement moderne, stimulante, belle et drôle aussi. Il y a aussi cet humour qui m'intéresse. Il y a l'aspect, effectivement, donc avec cette forêt, et puis même, finalement, dans vos précédents romans aussi, notamment Summer avec le lac, où la nature, comme ça, cette espèce de grande, ces grands espaces de nature sont quand même très, très présents. C'est ça aussi, je pense, qui fait penser à la littérature américaine. Et la forêt, elle est un personnage du roman à part entière. Et je pense qu'il y avait aussi un aspect comme ça, presque écologique dans votre, une fable écologique dans votre roman. Oui, il y avait, j'évoquais la désolation de la destruction de la nature. Déjà, j'ai toujours été, moi, dans ma vie, le sauvage a été une expérience vraiment salvatrice et fondatrice. Que ce soit nager la nuit en Méditerranée petite, la découverte de ces lieux qui pouvaient sembler terrifiants et en même temps extrêmement vivants, c'est probablement c'est l'autre grand choc de ma vie avec la littérature. Après, il me semble que dans cette anxiété que l'on ressent chacun de nous d'une façon plus ou moins confuse, cette anxiété-là cache cette sensation de destruction d'un monde auquel nous appartenons. Cette vision verticale de la nature qui consiste à penser que la nature est une ressource qui est là pour que l'on puisse faire du profit ou pour s'en servir, me semble heurter quelque chose de fondamental que l'on porte chacun en nous, qui est une vision qui serait une vision qui est beaucoup plus proche de celle de mes autochtones dans ce livre et d'ailleurs des Premières Nations des États-Unis, enfin d'Amérique du Nord, la vision qui serait beaucoup plus horizontale où chaque être, chaque arbre, chaque animal, même chaque pierre a une étincelle d'ordre divin en lui et que tout est interconnecté. Tout se répond, qui est une sorte de grand tout et de rythme qui va ensemble. Cette coupure, mais même cette coupure intérieure dont nous n'avons même plus toujours conscience, me semble créer un désespoir. Et je voulais également confronter ces adolescents qui essaient de se projeter dans l'avenir, dans un monde où cette forêt est coupée en permanence. Il me semble très compliqué de pouvoir grandir en rêvant une vie quand quelque chose de l'ordre de la désertification est en marche. Il y a aussi un aspect par rapport à ces adolescents dont on a un peu moins parlé, et là je pense plus au personnage de Nita. Ses rapports à sa famille donc, sont très particuliers. Il y a quand même un aspect dans ce roman d'apprentissage, dans ce roman d'adolescence, du rapport à ses parents, avec une mère avec qui elle vit, avec qui elle a des rapports très conflictuels, et un père donc, qu'elle imagine s'être évaporé dans la forêt, alors qu'effectivement, peut-être qu'il y a une réalité un peu plus brutale derrière ça. Et vous avez dit, je crois, dans une interview qui était à propos de Crans Montana, « J'avais aussi envie de parler des secrets de famille qui sont mon obsession à cause de la manière dont ils peuvent vous démolir. » Est-ce que vous pouvez nous parler de cette obsession? Oui, c'est vrai. De famille, ça va de pair avec le silence que j'évoquais auparavant. Il y a un peu de la même façon que cette désolation vis-à-vis de la destruction de la nature est en nous, mais que l'on ignore quelquefois, c'est comme un malaise qui ne porte pas de nom. Il me semble que les secrets de famille sont comme des passagers clandestins, des passagers sombres qui passent de génération en génération. Et c'est
particulièrement terrible et destructeur parce que l'on ne le sait parfois même pas. Et juste quelque chose qui vibre, quelque chose qui ne va pas. Mais c'est l'élément fantôme qui n'est pas nommé. Donc comment combattre un élément fantôme? Comment le dépasser? Comment se l'approprier? C'est pour moi complètement tragique et déchirant que ce thème-là, cette idée que alors ça part aussi d'une conception qui est que j'ai par rapport à la faute qui est évoquée dans ce livre, parce que même si le secret de famille ici est moins fort qu'il a pu l'être dans mes précédents livres, c'est vrai que la disparition de ce père, finalement, personne n'en parle. On n'est pas très loin de ce thème-là. Mais c'est l'idée de la faute, c'est qu'il me semble qu'une faute finit toujours par retomber. Une faute qui n'est pas nommée, n'est pas punie, cette faute continue de voyager. Elle existe, elle est toujours là, elle est dans l'air, elle est palpable. Et ce qui est terrible avec le secret de famille, avec la faute d'une génération dans cette famille-là, c'est que lorsque le coupable est dans le déni ou a été dans le déni dans des générations précédentes, quelqu'un va devoir la porter. Et le sentiment de culpabilité, l'impression confuse d'être responsable, d'avoir fauté, d'être une personne mauvaise. Ce sentiment-là est souvent porté par l'être, à mon avis, le plus sensible, le plus empathique, le plus tendre, celui qui justement perçoit cette chose-là et l'absorbe, puisqu'elle n'est pas nommée, qu'elle est confuse et que souvent elle vient dès l'enfance. Donc elle, c'est comme si elle pénétrait le corps et elle rentrait dans les cellules. Et il y a donc cette faute à porter qui est souvent portée par finalement l'être le plus innocent et le plus généreux. Qui sont les adolescents, du coup, selon vous, dans la famille, dans les familles, en fait. Disons que c'est pas forcément les adolescents, mais vous voyez que dans Summer, mon héros a 38 ans, mais il est resté bloqué à 14 ans. Donc c'est ce que deviennent ces adolescents-là. Donc c'est vrai. D'ailleurs, ce sont des êtres qui ne peuvent pas grandir. Parce que face à toutes ces problématiques-là, la vérité qui ne peut pas être vue empêche de devenir un homme, une femme, et de trouver sa propre liberté. Du coup, comme on l'a dit, les sujets évoqués donc dans Eden, c'est évidemment cet aspect quand même écologique qui est extrêmement fort, extrêmement prenant à travers la forêt. Et effectivement, cette idée de domination est premièrement la domination masculine à l'encontre du féminin. En fait, ce sont deux sujets qui sont brûlants d'actualité, notamment ces dernières années. À quel point l'actualité a eu un impact, en fait, sur vous et sur l'écriture de vos romans en général, et peut-être sur l'écriture de Eden en particulier? Alors, en effet, j'ai déjà évoqué le sauvage et la nature qui, finalement, n'ont fait que prendre plus de place dans mes écrits, mais qui constitue une vérité intime. Ce qui a été étonnant pour moi dans l'écriture de ce livre, c'est que ma vérité intime a croisé complètement l'époque, les thèmes de l'époque, et je suppose que ce n'est pas un hasard. Et ensuite, j'en ai été consciente, pas pour le versant écologique, puisque c'est quelque chose qui n'a pas bougé finalement en moi, qui s'exprime peut-être plus clairement là. Parce que c'est évidemment mon livre le plus politique. Mais peut-être que c'est aussi en grandissant, en écrivant, en ayant plus confiance en ma capacité à écrire, que je me suis autorisée cela. Donc à être plus affirmative, être moins dans l'éthéré pour poser des convictions personnelles. Le faire moins sur la pointe des pieds. En revanche, pour tout ce qui est du mouvement MeToo, de la parole des femmes libérées, de tout cet immense mouvement, mais même pas seulement des femmes, je dirais des minorités sexuelles, de cette nécessité de la voix de l'outsider, de celui qui ne détient pas le pouvoir. Évidemment,
J'y ai réfléchi parce qu'il me semble que c'est une responsabilité. C'est une chance et une responsabilité que de vivre ce moment de l'histoire. Donc, je parlais de la liberté d'écriture. Elle est toujours là. Mais je me suis posé des questions. J'ai essayé d'aller plus loin dans ma réflexion. Peut-être plus loin que je n'avais jamais été. Peut-être que j'avais cru penser à ces sujets, mais que finalement, j'étais moi-même conditionnée. J'avais certaines limites et qu'il fallait que je les interroge. Vous pensez que l'écrivain a une responsabilité, l'écrivain de littérature a une responsabilité sur le politique et le social? C'est compliqué parce que je pourrais dire oui et son contraire. Non, mais c'est vrai parce que l'art, pour moi, est politique en soi, mais je ne pense pas que l'art doit être ni moral, ni une démonstration. L'art, pour moi, serait malgré tout plus proche d'une expérience spirituelle ou purement poétique, vous voyez. Donc, ça ne va pas avec l'ordre de la responsabilité. Et à la fois, et là je ne peux parler que pour moi, c'est peut-être aussi une phase de ma vie, c'est peut-être une époque qui est très particulière, qui est selon moi extrêmement violente de transition historique, mais pas seulement en ce qui concerne le droit des femmes ou des minorités, en ce qui concerne l'avenir de la planète, la nécessité du sens, de système, d'un système mondial. Il me semble qu'il était peut-être temps pour moi d'avoir une pensée plus articulée et une responsabilité, que c'était mon activisme à moi. Dans les autres inspirations, enfin, à la lecture de ce livre-là, il y a des images, comme vous parliez tout à l'heure, de Laura Kosciuszko, de Oates, qui ont effectivement une écriture extrêmement visuelle. On retrouve tout à fait ça dans Eden, où il y a vraiment des images qui nous sautent au visage, clairement. C'est un roman d'ambiance aussi, donc voilà, on est tout de suite pris dedans. Et donc, toutes ces images-là, moi, bon, à titre personnel, moi, j'ai pensé par exemple à Twin Peaks, à Sofia Coppola, ce qui... Ouais. C'est cohérent. Et vous, quelles sont les images qui ont nourri votre imaginaire d'écrivain et l'imaginaire de Eden? Je pense que Twin Peaks, qui jouait déjà avec les codes de la pop culture américaine, qui c'est l'un des génies de Lynch, c'est de détourner finalement tous nos codes intégrés de la pom-pom girl, du bar, du... Donc, il y a, je pense, malgré moi, quelque chose de cette image-là, mais même visuellement, en effet, de couleurs très saturées, presque de matière, de décors aussi, et tous ces décors américains un peu angoissants, ces vieux papiers peints, ce genre de choses, je pense, me plaît et me stimule. Voilà. Ensuite, une femme comme Jane Campion aussi, vous voyez La Leçon de Piano ou Top of the Lake, ce genre de monde justement où la sensation est très puissante, elle passe par l'image, la peau, le toucher, le regard, il y a quelque chose qui nous traverse de façon physique. Également un univers esthétique, elle a Virgin Suicide de Sofia Coppola, ou le film d'ailleurs dont elle s'est un peu inspirée d'une façon esthétique, qui est Picnic at Hanging Rock, un film des années 70 sur des jeunes filles en Australie dans un pensionnat victorien et qui vont faire un pique-nique dans le bush sauvage, et une jeune fille disparaît, et c'est un film assez mystérieux, sans réponse. Ces esthétiques-là qui mélangent justement la fragilité de la jeune fille, le raffinement, avec une brutalité de l'environnement, ça crée une inspiration très forte. Mais après, plein de choses. Hein. Les livres de Stephen King, mais les adaptations également, ce genre de films des années 80, ou même une série comme Stranger Things, je la trouve extrêmement stimulante.
justement parce qu'elle joue avec les codes des années 80. Il y a le groupe des adolescents, il y a le mystère, il y a cet humour et cette gravité, le sens de la tragédie et en même temps de l'amour adolescente. J'adore ça. Justement, là, vous parlez de Stephen King et on pourrait se demander, est-ce que finalement Eden pourrait presque être une forme de thriller, parce qu'il y a quand même cette idée de qu'est-ce qui s'est passé. Oui, je voulais qu'on puisse se poser la question, qu'il y ait une intrigue réelle, mm-hmm. avec une réponse. Il me semble que je joue avec les codes du thriller. Je pense qu'un vrai lecteur de thriller, je ne suis pas sûre qu'il trouve son compte, parce que c'est peut-être pas suffisamment sophistiqué, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Bien sûr. Merci beaucoup, Monica, d'être venue jusqu'à nous. Merci. Et pour ce très beau livre, Eden, paru aux éditions Gallimard, donc juste cette rentrée littéraire. Merci beaucoup. Merci.